Bonsoir Nathalie Artaud. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de Lutte ouvrière. Il y a eu aujourd'hui une mobilisation de plusieurs syndicats contre le pacte de responsabilité, rebaptisé pacte d'austérité par Jean-Claude Mailly de Force ouvrière. Vous aussi, vous demandez l'abandon de ce pacte ou vous pensez qu'il y a quand même quelque chose à tenter avec les entreprises oh, Écoutez, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette histoire de baisser les cotisations sociales des patrons Ça fait des décennies. Hein, que il y a cadeau sur cadeau, et euh, dans le passé, ça n'a créé aucun emploi et ça n'en créera pas plus demain. Voilà, donc effectivement, euh, il faut dénoncer, écoutez, ces 30 milliards hein, qu'on va offrir comme ça sur un plateau au grand patronat, et ensuite on va nous expliquer qu'il manque de l'argent pour les hôpitaux, pour l'éducation nationale, pour les transports, c'est scandaleux. Mais alors comment se fait-il qu'un projet que vous jugez néfaste et contraire aux intérêts des travailleurs soit, définé, soit défendu par certains syndicats comme la CFDT. Écoutez, la CFDT effectivement euh, euh, se porte en permanence au secours de ce de ce gouvernement. Elle a d'ailleurs aussi euh, signé, vous savez, l'accord national interprofessionnel qui est véritablement un, un accord qui fait reculer les droits des travailleurs des années en arrière. Hein. Désormais, avec euh, avec cet accord qui a donc été transformé en loi hein, par le gouvernement, il est possible aux aux patrons de baisser les salaires. Voyez Vous donc euh, effectivement là c'est euh, vraiment tourner le dos aux intérêts euh, des travailleurs. Alors bon euh, euh, heureusement euh, il y a aussi euh, des militants euh, locaux qui sont bien conscients hein, que euh, euh, il faut pas se laisser faire et que ça ne représente pas les, les intérêts des travailleurs. Contexte de crise quand même et de chômage croissant. Ah mais voilà, alors ça, on l'entend euh, tous les jours. Hein. Et d'ailleurs, euh, tous les jours, écoutez, alors la droite, maintenant c'est la gauche qui est au pouvoir, donc c'est le même discours. Tous les journalistes, les médias, du matin au soir, c'est la crise. Il n'y a plus d'argent. Il y a un problème de compétitivité. Il faut payer la dette. Donc, il faut accepter des sacrifices. Donc, il faut accepter euh, qui y ait plus d'exploitation. Donc, il faut accepter les licenciements. Donc, il faut accepter les bas salaires. Écoutez, ça suffit. Hein, ça suffit. La réalité, c'est que les grands actionnaires, eux, continuent de se payer comme si de rien n'était. Hein. Alors, pareil, 40 milliards euh, chaque année de dividendes. Euh, ces grands groupes, ils continuent de prospérer. Les, les plus grandes fortunes, écoutez, elles ont augmenté de 25% euh, l'année dernière et elles se comptent en, en dizaines de milliards. Donc, il faut arrêter. Il y a des richesses dans la société. Le problème, c'est que justement, il n'y a pas de rapport de force aujourd'hui qui soit favorable aux travailleurs. Et c'est cela qu'il faut changer. Parce qu'il faut que ces richesses, elles soient utilisées justement. À à créer des emplois, à préserver ceux qui existent et aussi à embaucher et à augmenter les salaires. Mais c'est une question encore une fois de rapport de force et c'est cela que effectivement la direction de la CFDT ne dit pas et euh, que nous nous défendons. Autre question d'actualité, le nucléaire. Vous avez vu l'opération de Greenpeace ce matin à Fessenheim. Nathalie Arthaud, faut-il fermer? Certaines centrales nucléaires, comme François Hollande avait promis durant sa campagne, à partir de 2016, ou faut-il les maintenir en activité, notamment au nom de l'emploi Moi, je crois qu'il ne faut pas tirer sur la corde et que la sécurité, ça doit être la, la priorité. Mais voyez, moi, ce qui m'inquiète avec le nucléaire, c'est que justement, elle soit dans les mains d'entreprises privées, hein, qui, mais qui n'ont que, que le, le profit comme perspective, hein, que, que le, le critère de rentabilité, vous savez, dans ces entreprises, euh, dans ces centrales, c'est les mêmes conditions de travail que partout. Hein, euh, on essaye de faire des économies de bout de chandelle. Hein, comme, comme toujours. Et c'est toute la société capitaliste qui marche comme cela. Donc, nous, c'est cela que nous défendons. Et bien sûr, il faut que l'emploi, il soit préservé. Mais ça, on sait qu'y compris si on démantèle des centrales, euh, il y a du travail pour, euh, sans doute encore, euh, des décennies. Donc, euh, la question de l'emploi, c'est encore un autre problème. Euh, mais le problème essentiel, c'est, encore une fois, il ne faut pas... Aussi. Les profits, vous savez, avoir qu'en ligne de mire les profits, euh, c'est vraiment, c'est un danger pour tous. Alors, dans cinq jours, les municipales, euh, vous avez 79 conseillers municipaux sortants, vous, pré vous présentez 204 listes, cette fois-ci, euh, c'est plus qu'en 2008. En même temps, euh, vous avez dit, Nathalie Arthaud, que l'objectif de LO n'était pas d'avoir des élus, mais de faire entendre la voix des travailleurs. Ça veut dire que vous faites surtout une campagne de témoignage Écoutez, d'abord, ça fait près de deux ans que ce gouvernement est au pouvoir. Et beaucoup, parmi ceux qui l'ont mis au pouvoir, qui, qui ont voté pour Hollande, sont écœurés sont en colère de voir effectivement que finalement Hollande a continué la politique de Sarkozy et euh, qu'il a fait cadeau sur cadeau au patronat, qu'il a laissé les travailleurs, les chômeurs, les classes populaires dans la galère et même qu'il a... Qu aggraver leur situation, y compris en augmentant la TVA, en augmentant les impôts. Donc cette colère-là, elle doit s'exprimer dans les élections. C'est l'occasion, justement, de dire hein, son, euh, son, son, son écœurement et de faire un geste conscient, un geste conscient qui renforce les travailleurs, parce que c'est aussi une façon d'avancer un certain nombre d'objectifs. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accepter ce chômage qui explose, mais ben si. S'il si, y a un autre choix, le, le choix d'interdire les licenciements, de forcer effectivement ces grandes entreprises, eh bien de, de, de préserver l'emploi, de prendre, oui, sur une partie de leur argent, sur une partie de ce qu'ils donnent aux actionnaires. Donc c'est d'avancer aussi des objectifs. Donc c'est effectivement un geste politique conscient et constructif. Mais alors comment se fait-il que dans le climat actuel euh, de défiance face à la politique en général, d'écœurement face aux affaires, d'impopularité du, du pouvoir actuel, euh, l'extrême gauche ne soit pas davantage entendue et attendue Et on parle surtout d un risque de forte abstention dimanche prochain. Écoutez, d'abord pour être entendu, en particulier sur les ondes radio, par exemple, il faut être invité. Euh, je peux vous dire que le Touvrière, bah, nous militons hein, euh, avec les moyens que nous avons effectivement pour nous faire entendre, et nous espérons que dans ce geste-là, nous serons suivis justement par tous ceux qui sont encore une fois euh, 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 qui, qui sont dégoûtés. À la fois du spectacle politicien et à la fois de cette politique qui est au service de la bourgeoisie et qui est euh, vraiment hostile hein, à, à, à leurs intérêts. Donc vous demandez un vote de protestation. Un vote de protestation, mais vous savez que dans la période actuelle, protester, c'est utile. C'est d'abord dire non, ça suffit, on ne se résigne pas et dire qu'on proteste en, en disant, eh bien, il va falloir se battre, il va falloir qu'il y ait des luttes à nouveau, qu'on inverse le rapport de force, eh bien, c'est constructif. C'est Préparer l'avenir. D'un mot, Nathalie Arthaud. Demain, je recevrai le chef de file du Front national à Paris, à votre place. Euh, entre les deux candidates favorites dans la capitale, Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet, deux femmes. Est-ce que vous mettez un signe égal ou est-ce qu'il y en a une qui vaut mieux que l'autre à vos yeux Écoutez, au premier tour, il y aura aussi des listes de lutte ouvrière y compris à Paris. Donc j'invite euh, tous les auditeurs qui justement veulent rejeter ces partis qui se succèdent au pouvoir pour mener en fait la même politique, et eh bien d'exprimer leur rejet, mais encore une fois en avançant un certain nombre de perspectives pour les travailleurs, celles qui peuvent justement répondre à leurs euh, priorités, c'est des exigences vitales contre justement le chômage et contre la baisse du pouvoir d'achat. Donc euh, au premier tour, il y a la possibilité de voter pour les listes lutte ouvrière. Évidemment, c'est euh, ce que euh, moi je, je choisirais. On verra après entre les deux tours. <laughs> Écoutez, c'est effectivement une autre histoire. Vous savez, en réalité, dans ces élections, le mieux que nous avons à faire, c'est de nous exprimer. C'est de dire la colère. Et ça, ça se fait au premier tour. Il ne faut pas s'en priver. Merci beaucoup, Nathalie tôt d'être venue dans Europe Nuit. Merci.